Salut à toutes et à tous, ici Galion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre aventure sur Spyro Rain Knight Trilogy. Et aujourd'hui nous allons faire donc l'Allée Obscure, qui est un monde plutôt court, je crois que c'est l'un des plus courts de ce royaume en tout cas. Il est un poil plus court que Town Square, déjà que Town Square est plutôt court. Du coup, ce sera un épisode très rapide, je pense. Mais là, ça va être une nouvelle fois de la découverte parce que j'ai rien vu à propos de trous obscurs, enfin de vallées obscures, dans les différents gameplays qui ont été proposés tout au long de ces derniers mois. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, nickel, nickel. Comment aller mal quand Spyro sort? Franchement. Hein? Oh! Oh putain, c'est beau! Oh la vache! Oh, c'est trop stylé! On dirait un cosplay de Zelda! Enfin, de Link, du coup. De The Legend of Zelda, mais de Link. C'est trop marrant. D'ailleurs, j'ai trifouillé un peu le jeu et j'ai découvert des trucs. Je sais plus si ça y était dans le premier, mais on a le droit à une carte. Pour les gens qui n'ont pas le sens de l'orientation. Pour les gens qui n'ont pas le sens d'orientation, bon moi j'en ai pas besoin parce que je connais par cœur, donc voilà. Bah du coup oui, on peut choisir les musiques originales ou Reignite. Oh putain les fils, je reviens 20 ans en arrière quoi. Oh putain c'est génial. Ça vraiment quand ils ont fait, quand ils avaient montré ça. C'était pendant qu'ils montraient un gameplay de Eurikos, je crois. J'étais aux anges. Je fais, oh, on peut choisir entre les musiques d'avant ou les nouvelles. Bon, personnellement, je veux écouter les nouvelles parce que je sais qu'elles seront à la hauteur des anciennes. Donc forcément, je mets les nouvelles parce que bah, c'est justement le moyen de pouvoir voir à quoi elles ressemblent. Mais les anciennes, je les porte toujours dans mon cœur, hein, c'est normal. Oh mais les effets de lumière et tout, oh là 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 là, c'est trop beau. J'ai l'impression de jouer à un nouveau jeu en fait. C'est incroyable. C'est-à-dire que si on me retire de ma tête et de ma mémoire le fait que je connaisse l'emplacement de tout et que je me fie juste au graphisme, on dirait un nouveau jeu. Et c'est ça qui est... C'est génial. Il y avait pas les bibliothèques avant. Et ça c'est un truc que je kiffe vraiment. Genre... C'est rien, hein, c'est un petit détail, mais je sais pas, ça ajoute du charme. C'est fou. Oh, c'est tellement bossé, c'est un délire. Salut. Oh, oulala. Tiens, hop. Donne-moi ton gigot, toi. Y'a... Même les mobs, enfin les ennemis, ils ont été refaits, mais... On peut pas faire mieux, genre, c'est vraiment le sprite parfait pour les ennemis, quoi. C'est vraiment trop génial. Oh, c'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu, mais une charge t'en débarrassera. Le charisme des dragons est inégalable. Je tiens quand même à le préciser, surtout celui-là, il est vraiment classe. D'ailleurs, sa voix française me fait penser à un doubleur très connu. Je ne connais absolument pas son nom, mais cette voix, je l'ai déjà entendue plein de fois. Ça, c'est sûr. Oh, on va voir Big Mama. Je sais pas si vous vous souvenez. Oh, génial. Je sais pas si vous vous souvenez de l'ancien Gnork. Oh, c'est trop bien. Oh là là! Je suis aux anges. Normalement, ils nous mettent un coup de ventre. Ça, non? Ouais, c'est ça. Oh, c'est trop marrant. Oh, c'est trop bien. Ils ont vraiment tout respecté. C'est... Pff, moi, je dis chapeau. Putain, mais la salle, quoi! Oh, c'est beau! Waouh! Là, je me dois de prendre des screens parce que c'est giga beau. Oh, je suis amoureux de ce genre de décor. Même l'eau. Oh là là! Je sais pas s'il y a cette animation. Oh oui! Genre, il regarde par terre et tout.
Trop stylé. Franchement, c'est top. Chaque petit détail, ils y ont repensé, ils les ont retranscrits. Un bonheur. Ouais, bon, là, je me souviens qu'on pouvait pas sauter. Oh, c'est top. Là, ils ont rajouté du décor et... c'est vraiment bien pensé. Hé, Spyro, tu veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh, ton secret est bien gardé avec moi. Oh là 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 là, mais c'est vraiment génial. Bon, normalement, ce monde, je le termine en moins de 3 minutes chrono, hein, je pense. Donc là, je prends vraiment mon temps. Mais peut-être moins de 3 minutes, même largement. Mais là, il y a de quoi profiter, hein, parce que... oulala, regardez, oh, il est trop fort. Ah. Je pensais l'avoir touché avant, mais tranquille. Non. Ah oui, ça. Je sais pas s'il y a un point de compétence avec ça. What? Ah, c'est un crapaud. Je croyais que c'était un joyau. Je me dis, putain, Sparks, tu pourrais l'attraper quand même. Faire un effort. Ah, voilà. Allumez le feu. Putain, c'est trop bien. Ah, on peut pas. Mince, je pensais. Ça me fait étrangement penser... enfin, ce genre de décor, comme ça, avec... avec plein de... comment dire... plein de flore. Ça me fait penser au monde d'Alice au Pays des Merveilles dans Kingdom Hearts. Juste cette entrée comme ça, là. Je sais pas si ça vous fait penser à ça aussi. Ah, là il y avait un cut aussi. Bon, c'est un cut pas très utile, mais c'est surtout en speedrun quoi. Mais je me souviens plus comment on le fait. Bah, ça doit être en courant, mais bon, je suis nul. Ça change rien quoi. Hop là. Vous imaginez, vous tuez le monstre, enfin le Gnork, mais vous prenez sa massue sur la gueule. Quand elle tombe, ce serait vraiment pas de chance quand même. Ah là 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 là. Ouais, bon, les premiers mondes sont vraiment courts. Hein. Et là non. J'adore vraiment son demi-tour. Il est trop stylé. Tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ce Gnork avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire. Franchement, les voix françaises sont soignées à mort. Vraiment, elle claque. Elle claque, elle claque, elle claque. Bon, on va maintenant aller ouvrir ce coffre, puisque c'est ce qu'il nous reste à faire. Et après, on pourra quitter ce monde. Mais non, franchement, je suis agréablement surpris. J'avais pas forcément d'attente, vous voyez, je m'attendais juste à ce que ce soit joli. Mais le fait qu'ils aient rajouté des éléments de décor comme ça, c'est trop beau. Enfin, forcément, ça ajoute un petit air romantique, tout ça, et je pense que c'est fait exprès. Surtout avec les dragons qu'il y a dedans. Mais ça en jette. Et c'est vraiment beau. Franchement, c'est... vraiment très bas. Genre même en dessous du sol, tellement c'est stylé. Voilà. En plus, quand ils ont annoncé Spyro Reignited Trilogy, moi, direct, j'y ai cru. Genre, j'ai fait, ils vont nous faire un jeu de ouf, c'est sûr. Il y avait, enfin, j'avais pas cette appréhension en mode, oh non, j'ai trop peur que ce soit de la merde, ou j'espère qu'ils vont pas faire de la merde. Non, j'ai fait, oh là là, vas-y, ils vont gérer. Alors que je savais même pas quel studio le faisait le jeu. Hein. Et apparemment, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est le studio de Skylanders. Enfin, je sais pas si Toys for Bob, c'est le studio de Skylanders. Qui bosse avec Actipognon. Pour faire Reignite Trilogy, là. Je crois que oui. Et du coup, ils se sont bien rattrapés. Parce que, bon, Skylanders avec Spyro, bon, moi, c'était pas mon trip. Hein. Chacun son délire, mais moi, c'était pas le mien. Mais là, ils ont géré, franchement... Ils ont pas craché à la gueule des fans. Là, ils les ont respectés, mais... comme il faut. Vraiment. Et c'est génial.
Donc, eh bien, écoutez, c'est ici qu'on va cesser pour cet épisode numéro 4 de notre aventure sur Spyro Reignite Trilogy. Et dans le prochain épisode, nous allons faire tout simplement Croustillant. Alors, je sais pas s'ils ont gardé le même nom en français. On verra bien. Mais ce sera le premier boss, entre guillemets, de ce jeu. Voilà. Donc, en attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut !